RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci. Tout petit peu beauté, vous allez colander biso partout à travers le monde. Merci na bandeko, vous allez colander biso na télévision. Merci pe na bandeko, bazo lander biso na YouTube. Vous allez ébeler, vous allez colander MK Buzz télévision. Vous allez copartager ba émission na biso, vous allez pe ko liker, ba misoso, vous allez ko commenter. Merci mingi na ndenge oyo bozali ko tala vraiment ensemble que to kosala quelque chose bande ko bazali na télévision to sengi bino ke bo yebisa bato nyonso mais en tout cas merci pour na moni partout je passe même ce matin na zala ki na veni Kigoma Dodoma bato ba singa ke ba komisi MK Bezi télévision site na bango ya information oui bo se trompete télévision na biso musala e bandi me bo komona comment en tout cas to commettre ba batterie na biso a marche pour servir la république surtout à la canot par lequel information e koki ko ratete po te to sale la bino musala bo to za pe na YouTube ou landa ke biso na télévision za abonné te vazi na YouTube en tout cas au raté élément mon côté na zela ya YouTube je vous rappelle que tozali au-delà de 87 000 abonnés donc au rentrée scolaire nga na zan école na ngai balingi baye ba école okozala na bakolando na 87 000 1000 2000 10 000 50 000 87 000 sur YouTube mais aussi na Facebook tozali na IPTV donc au côté la biso MK Buzz télévision na complicité ya ba ingénieur na biso wana clin d'œil na Igor Kunga mais aussi tozali na na Bluesat Blue OTT international donc toza MK Buzz na koya to komina ba bouquet nyonso na côte so na IPTV au côté la MKBS télévision sokyo ke na Bluesat même na chuma na Blue OTT donc Bluesat international hein kotaka kakuna beta okomona MKBS télévision ezali donc tozo ke ne canal plus to kokota hein soki musu pese la soki to kokota partout donc pour nos partenaires donc kozana très à l'aise regardez ba bouquet to le ko diffuser tozana YouTube tout le monde a 87 000, tout ça, Facebook, tout ça partout. Donc, soyez-en sûr que les produits sont écoutés. Il y a rentré, il y a promoteur, il y a une école, tout ça, il y a une boutique, une société. Je vous annonce d'ailleurs que vous allez après, cette semaine, vous allez avoir une émission de sport. Vous allez avoir une émission de sport. Vous allez avoir une émission de varier à votre programme. Vous allez et Kalek. Lelo c'est pour nous les parents. Donc bayeba bota lelo ezali mukili mubimba et dédié bino jour oyo hommage na ba parents. Moi j'ai perdu mon koya ba parents nangai qui le Seigneur a voulu que akota dans sa félicité azana bisote mais je rends hommage à ma mère Yambi ya Rose qui est encore en vie et qui a tout donné pour moi. Merci toujours d'être là, maman, à côté de moi. Les moments les plus difficiles, tu ne m'as jamais abandonné. Je célèbre ta vie. Les longs moi, nanayo, na komi moto na société. C'est grâce na ba effort nayo. Ba parents nyonso, ba zana mokili mobimba. C'est pas facile d'être parent. En tout cas, c'est pas facile d'être parent. Vous savez, moi j'ai mon enfant, très intelligent, qui s'appelle. Ofranel Masala, il porte le nom de Papa Bukilo Nangai. Depuis que des fois, à cause de 50 mbala moko. Donc, au cause du vertige,
Donc, yoko zanga yoko te fasse toujours na provision. Mokolwa na tofandi aye na ningina bima aye simbi mafuta a tienga na chemi. Abengi papa papa na baloka bonyo ce bébé. Otali moté mesuki. Être papa c'est pas facile hein. Donc courage na ba papa na ba mama ba boti nyonso. Ça très bien. Au moment où le célibataire pour 10 000 retenez une acquête hein bien j bien nini au tambour la terre que l'on met ça filmé s'il y a maître parent sans 10 000 au moment où le qu'il est moko sali qu'on a aspirine moko écoutez la gâte clamoxyl il faut donc n'yon soana en tout cas moi quand t'as une beauté chronovique mon fils pour la première fois ngana fanda na maternité moi six fois bota na abota na bal bisoto a douleur ga ya kobota ya liboso to gane hôpital na fanda donc na lembi bon plutôt pe kishasa wa ngunge pai madame kobota lo so ina ba 5 heures bisoto ga ndaki na hôpital na so ina 15 heures bravo aux parents na betele bino maboko. C'est tous les parents responsables. Pas au yo tchè mouana batou zemi. A komi ko nyo komana mouana. Ozo tambolaka na kishasa. Je vis une mère là. Bah si pe kishasa. Bon. Les abas vie privée na koko ta temi da fe ça fait très mal. Ba na ba kenda ka classe te. Mais papa na bango kota ka bar. Papa na bango landa ka bar si moussous. Il y a un problème ici et ils lié il y a qu'interpellé ma parent aux en Allemagne au yo botiao nanzela parfum aux yeux bien aux zones de poussons de la moine à Congo. Moi je connais quelqu'un il y a bout soyez cas bon l'Europe est là quand même un gala afin d'agana Québec afin d'agana boy. Le parent responsable, le lézamo corona bien, na dédié bino yango. Trouvez que le solo na yé na vérité, toyokana kike chaîne oyo, isa chaîne ya vérité. Olingo yé ba makambo isole kanamboka, je vous rassure, MKBS Télévision. Lobi to lali to la muki bande konangai, trouvez que le solo il y a famille, il y a ancien président de la République. Vous voyez très bien, Chine Rambo, pour ne pas tout moussous. Bah moussous, j'y kaka. Moi, si na yé maman Olive Lembe Kabila, abimisi makam, il y a passe. Tu présentes qui bino lobby, tu le bagi toko lande la, nini, et le qui nini est sali poto yeba awazana jelem Mario Olive Lembe Kabila lobi batinde liye ba force du progrès po bakata ye moutou bakote la ye na lopang bago maye asuki wanate. Il a accusé Jean-Pierre Bemba Gombo. Alobi, Mayezo comme la yelelo, Ezali Bemba, Moutoisa auteur. Nous se commis pour obtenir de force du progrès. Babo Maye, responsable, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo. Bemba Gombo Pek, avant d'avoir un détail, pour n'avoir la question, étape fanda, mais la main à pio, au koye ba vérité. Preuve à la point, le koutate. O média, les médias, pour n'avoir qui, Olive a un problème, cardiotiste. Donc, bah, toi, cardiocha, donc, y'a un conjugal, un gomba, la mot, cardiotiste. Donc, je vais faire un solo.
Et tant que vous avez Jean-Pierre Balobi, ma cambo introduction, malheur et zo comme la bango lelo, responsable nango ezali Jean-Pierre Bemba Gombo. Alors, Bemba Bako Fanda Bongote, va réagir. C'est lui qui a pris la parole, va s'aller communiquer. C'est Fidel Baba la Wandu. Donc, Fidel Baba la Wandu, Azali secrétaire général, ce qui est le sous-souté, ce n'est pas F. Bazeb, le Golaza ministre, hein? Mais ton cas Fidel Baba l'a commis, a si qualité n'a été. Membre, Azali qui s'est joué, il m'a commis ces gens, en tout cas, dans le na débat ou à la thé. Mais au moins, secrétaire général Azali F. Bazaïba, tu as appelé Banungunungu et Moko Bokeno, et Bazaïba Zate, commindé Fidel Baba la, mais tout est que comme on a été qualité d'un secrétaire général Fidel Baba la Alubayango. Mais au moins Lobby a signé un communiqué au nom de la MLC. Alobi Boy, Marie Olive Lembe Kabila a retiré Malobanaye Oya Lobby contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Igwe Nebango Babinga Kaye. Alobi Olive Bimisa lokolo na yo nanzela ya Jean-Pierre Bemba pamba te bokokutana na yango. Je vous rappelle que Jean-Pierre Bemba Gombo asi abengisaki mwa bato na ye abandi kobete la bangoli solo ndenge nini Joseph Kabila alinga kya sala ye maba elimine ye Bemba lobaki soke ezala ki po na nzambe te me oya mande fwan ndi amande fayebani na mboko ezaka kakabila oya mande fwan na rateli wana misu na ye ndi bazaka na rando si la katewi n'oublie pas aussi que quand Jean-Pierre Bemba Gombo akenda ke na CPI hein tant Bemba akenda ke na CPI donc c'est lui qui était responsable c'est ezala kinde Joseph Kabila Tango Bemba Kendaki na CPI. Alors, on n'a pas compris que le lot Olive Lembe Alobake Maler Nabango Moutolongoli Baré Rezali Jean-Pierre Bemba Gombo Fidel Baba la lobby les temps Oyo Bato Babandaki Kozanga kozala lèze et si eleki. Na moi ya lelo ba kongole, baza libre. Okoki ko kamatate makambo na yo, ola kisa yango Jean-Pierre Bemba Gombo. Longola Bemba na makambo na yo. Donc ce qui vous arrive aujourd'hui, le MLC topé Jean-Pierre Bemba Gombo, baza ni ba responsable ni de loin ni de près. Alors, toko kende na likambongo ou wapi. Maintenant, vraie version. Est-ce que en réalité, ba force du progrès, ba yaki, poba boma, Marie Olève Lemba Kabila. Est-ce que ba yaki? Problème yango wan. Dossier eza dossier nini. Lukuta et le kamingite. Dossier, ba force du progrès, ba banda ki koleka. Ba kende kote na bango. En fait, justice, et randa ki are nango. Nare ba randa ki, na justice, ezali na likambo moko, ya mapango o ezali wana. Baboto la ki bato mapango. Alo baki nango lobi ao. Namboka oyo. Je elema ya justice. Eza na likambo moko. Oye sali ki namboko oyo. Bato baboto la bato mapango. Inde gozo mwona wani. Siko na jene. Justice ba rendre. Balobi en tout cas bokende kozwa mapango na bino
donner aux abapés ordre de guerpir. Avant que tu aies un commentaire, tout l'un de cet élément, moi je vais revenir juste après pour n'abé terminer le solo. Kabamba Mulumba, connu sous le nom de Kamou Lanter, a signé au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Shimon Ophir, un sujet israélien, est le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Gombe. Le demandeur sollicite le morcellement de la parcelle numéro 7020 située dans la commune de la Gombe. Les faits remontent au 5 mars 2007. Selon les avocats du demandeur Kabamba Mulamba, leur client aurait acquis la parcelle située au numéro 45 de l'avenue Ouvira dans la commune de la Gombe suite à un acte de vente intervenu entre lui et Nkankolongo Nsenga Jean. Dans le but d'élargir son espace, le demandeur Kabamba Mulamba alias Kamou Lanter aurait obtenu de son voisin le premier assigné Shimon Ophir la vente d'une portion de sa parcelle moyennant la somme de 15 000 dollars américains. L'assigné Shimon Ophir aurait signé un acte de cession sans déterminer les dimensions cédées. Le premier assigné aurait autorisé le conservateur de titres immobiliers de procéder au morcellement de ladite parcelle en faveur de son cessionnaire, Kabamba Mulamba, alias Kamou Lanter. 10 années après, le demandeur ne serait toujours pas entré en possession de sa parcelle. Ce dernier aurait été surpris d'y voir ériger un immeuble de 14 niveaux. Après plusieurs démarches et réclamations, le premier assigné Shimon Ophir aurait refusé de céder la parcelle achetée et encore moins des appartements dans l'immeuble construit. Les avocats du premier assigné affirment qu'ils ne peuvent plaider au motif que les pièces n'ont pas été communiquées. Bon, maintenant moi je dois déposer ces pièces. Les pièces sont entre leurs mains. Ils ne vont pas nier, ils en ont. Comment vous allez prendre l'affaire en état? Comment nous allons plaider? De quelle manière? Sur base de quelle pièce? Et le demandeur n'a jamais conclu. Et en plus de ça, monsieur le président, ce qui est encore plus grave, regardez le nombre d'avocats. Chaque avocat ici appartient à un cabinet. Et chaque avocat n'a pas conclu. Chaque avocat n'a pas communiqué, alors que moi j'ai communiqué à tous les cabinets. C'est grave. Nous, dans ces conditions-là, on ne plaide pas. Je l'avais dit au nom de notre client que la partie, donc les conservateurs, ne nous a jamais communiqué. Je crois l'avoir dit devant votre tribunal. C'est parce que je savais que nous n'avons jamais reçu communication des pièces, des moyens du conservateur. Simon. Je l'avais dit. Les avocats du demandeur Kabamba Mulamba alias Kamou Lanter affirment qu'il y a plus de 3 remises sur demande du premier assigné Shimon Ophir ou de ses conseils. Ils soutiennent que les pièces demandées par les avocats de Shimon Ophir ont été signées par leurs clients. Ils renoncent aux moyens du premier défendeur et demandent au tribunal d'appeler la partie demanderesse à développer leurs moyens. L'article 27 de l'arrêté d'organisation judiciaire du 20 juillet 1979 vous dit que les remises ne peuvent pas aller au-delà de 3. Nous en sommes, je crois, à 5 ou 6. En plus de cela, cette cause, vous l'aviez dit vous-même, a connu plusieurs surséances. Par le fait du bâtonnier Kalingi, je ne m'aimerais même pas dire de M. Shefir, de Ophir. Il vous parle de pièces, mais de quelles pièces parle-t-il? Des pièces signées par lui. Il vous parle des pièces? Eh bien, est-il à l'aise de les dire ici? Vous avez retenu l'affaire, c'est pour recevoir nos moyens. Nous sommes demandeurs. La cause est en état. Il n'y a pas un moyen nouveau. Les conservateurs vont nous départager encore. Nous ne sommes pas devant un conservateur. C'est une affaire de cession d'immeuble. C'est une affaire de vente. Vous allez comprendre qu'à bon droit, appeler la partie demanderesse que nous représentons légalement à développer nos moyens de droit. Le ministère public demande au tribunal d'inviter les parties à plaider. Le tribunal accède à l'avis du ministère public et invite les parties à plaider. Je vais indiquer que ce débat avait déjà eu lieu et le tribunal y avait accordé une décision. La décision tendait à ce que cette cause soit retenue pour recevoir plaidoirie.
votre tribunal ne soit pas ce délit, vous allez inviter les parties à plaider. Dès lors que cette cause avait été, disons, été retenue pour la plaidoirie, ainsi donc, il passe la parole à la partie Kabamba Mulumba pour plaider. Les avocats du premier défendeur, Shimon Ofir, retirent leur comparution, demandent que cela soit acté et quittent la salle d'audience. Je voudrais dire ceci. C'est nous, avocats, qui avons induit le tribunal en erreur en acceptant qu'il y a eu échange de communication de pièces. Alors, nos erreurs, nous ne venons pas les régler devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Pour cette raison-là, nous nous estimons être d'un état de droit. Monsieur Shimon Ofir, de nationalité israélienne, c'est un état de droit, vous connaissez, même le président de la République, les ministres font la prison en Israël. Ils ne peuvent pas accepter de continuer à comparaître dans une audience où... Alors, je crois que Wana Bolandi, ma force du progrès, Nde Toyoki, Bazalakoutou na intention te yakoule kanalopangu ya Olive Lembe Kabila. To bazo kende na bango dossier boyoki ya mapango yango wana o eza na lien moko te. C'est lorsque mama ni mama dans l'objectif ya kunuire kosala show moko comme ya lingi mingi kosala ba show yende mutu atindi batu selon ba information aujourd'hui pour baser la récupération politique dans la déclaration naïet azaki na problème na motema a régler Jean-Pierre Bemba makoka ki yango tek azwaki occasion ya kosala yango. Donc bon retenir que il y a des vidéos totali sabino comment les forces du progrès au basé la kakiwana bango moko ba pesa ki version de fenango balobeki en tout cas ba bazala ki vraiment na likambwana te ndeko moko pe je crois que senwana ndenge le kaki comment ba policier bazolanda ba forces du progrès ndenini bazali tout la kisabino yango je crois yango bozo mona wana Nandenge bazo kende kuna te. Je me suis posé des questions aussi na moi. Pourquoi bago kende na moi, ba kende ko maman Olive, baza la nelo ko mokote, baza la kaka na moi. Et sen bozo mwana yangoan. Donc, ezali dossier ya justice, je sais trancha ki, na bato ba botola bato mapango, na tan ya Kabila. Mais bah, pense raison, namoko et justice ordonnée. On a parlé de M. Kamoul inter comme ça. Na Israélien, ceux qui m'ont moko, bazalaki en procès. Mais zela wane fongwa minde bato bazolekela. On a été surpris, dengue maman Olive a récupéré, pe a bandi, kolobaki bazoloka. Non seulement babo maye, mais babo ma pe. Bazoloka pe mobali, bazoloka pe bana na ye, en tout cas bantoka na nge sali passe. Mais regardez comment Senango ezalela ki, on va revenir juste après. Papa. Nous avons la désordre, bata y dépense, ba y ko sala le panguya. Tu as eu des pêches, tu as eu dans le pangouya, tu as eu des cabalons, tu as eu
Bangoyo, bah ça des orgas, la loupango. Maman. Calme, calme, calme. Papa. Au moment la désordre, bataille des pèses, bah et comme ça dans le pan où y a. Bataille des pèses, bah et dans le pan où y a. La zone est capable de nous voir au bout de la ville pour la Lupangouya. Bangoyo, bah ça a des orgas dans le pango. Maman. Je crois que Bolandi, bon moi ni comment. Senwana et Salamaki. Tu balobi mingi. Tu balobi mingi. Mais n'a pas que bino que pande konangai bako sabino te. Kadiotiste te oyo mama. Mama ne mama lobi. Ne awo izali chaîne ya vérité. Étape par étape. Likambo boyo to lobi. Likambo boyo to sali. Boko yeba vérité. Nini eleki en réalité pour y alobi ba force du progrès nde ba yaki po ba kote et puis a préciser bien ba linga ki ba bomaye ba bomaye na bundi na yesu koyo na koyi na vidéo ya ba force du progrès. Oyo babanda ki koloba parce que MKB télévision eza ba TV te ya lukutu. Non non. Awa to ye olobi di kambo toluki. Biso hein toza vraiment wana la recherche ya ba information. Nyonso awa chaque jour, chaque jour na ngai. Eza za masapote ngai na ngai. Force du progrès. Siko bino ba to bolekaki. Olive lemba lobi ke bolinga ki bobo maye. Batinda kibino na mission nzamba abate la kabila abate la bana na ye abate la famille biologique abate la est-ce que bino réellement bakenda ki poboke ne koboma et puis nani atinda kibino MKBS télévision MKBS officiel na YouTube exclusivité le côté tika place suivant force du progrès on revient juste après. Oui, à ces jours, il y a qui s'en a dit. Je ne sais pas, Salama, tellement que vous pensez à Koka, à Zafuna, la province, la délégation, la quelqu'un s'est détruit, la victime, la bisou, la pauvre martyr, Wana. La bisou, la imboka, la mboka, la force de côté, la base de Kunga. Nous avons la carte à vos marchés. Nous sommes marchés, nous sommes au tambour, la canambour, la bisou, la salaka. Au banal pour où t'as voulu voir Tchatiti Tozoya vers GLM Potobima Hotel Rotana donc comme il bosse à ex-président Nani Joseph Kamal Kanambe Tozoleka à Fazer Naye au Bachana immeuble au Bakangaya GLM
C'est-à-dire, Olivier Lembe a dit que le mensonge a reposé la base. Parce que les gens sont obligés à tout le monde pour que nous ne nous pas en train de nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu. C'est-à-dire, le roi, Bayiba Mboka, Babi Samora, Batiki, Baba Panda Kimia, avant la Kimia, Aliambon, on a été Moïbi. Ce soir, il y a un mafia. Les Cambozali, ce qui maman Olive, Azana Makambo na motema, il faut vraiment koloka. Mais il a parlé aussi Makambo ya ba veste na loka ba photo moko na avant toyo ka bande ko bo ba veste l'on attend après parce que c'est la série ya ba émission. Beaucoup comprendre que ezala ki lukuta. Bande ko na ba s'exprimer. Et puis, souka na likambo, nga na kolinga te likama e komela yo, non. Soki mbebe ezali, otiki bazuzi ba ye ba constate. Ba memi rapport. Ke oya, ne yo tenge o regle ba, tanto bemba, tanto ba tomususu yo latisa ki ba veste. Nyo soa na kakapona ko justifier c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Touchimani pe. Il a réagi par rapport à propos. Il y a les Cambouanes. Tolanda Yango, on va revenir juste après. Bote Bandeko, Batata, Bamama, je voudrais quand même, Nansing Abino, deux minutes d'attention, parce que Tolandi Banda Tongo, événement Elekina GLM, place Oyo, Mama Olive Lembe, ex-première dame, à l'obi et Zandaku Nabango. Je voudrais d'abord rappeler que Maman Olive Lembe, Ozali Maman, ceux qui osent tenir ma propos moko mensonger, ma propos moko oezo ko kene nanzelate, et ko zala toujours pas si pour nabatouba nyonso, ba kongole nyonso batika yo, oko sabatou nyonso boye. Je suis Tochoumani Kisombe, j'ai 46 ans. Né et grandi à Kinshasa, et je suis allé quand même un peu à l'intérieur du pays, et Tobima Poto, Bruxelles, Belgique, Paris, Suisse, Totangina, Belgique, Tozongina, Congo. Je voudrais rappeler, Maman Olive Lembe, les incidents d'aujourd'hui, et Zala qui foncièrement que Yoluki buzz na yo. La République démocratique du Congo n'a aucunement l'intention, sinon le pouvoir actuel. Les faits démontrent aujourd'hui sur la toile que ma jeune wana, que bonobo catégorisé déjà à force du progrès. Ce qui est alipé à solo, mais intérêt na bango ezalaki tout à fait ailleurs. Bitoumé ezalaki yakoué la propriété moko wana entre un sujet israélien et un sujet congolais. Ba image ezanenge ba keko saccager ba appartement kuna. Batouana tango ba se confronter. Netango ba s'affronter, ba jeune moussou ba komo ki mana balabala, oh l'état sa fungo la, madame Olive Lembe Kabila,
arrêter de mentir. Ces gens ne sont même pas arrivés devant portail Nabino. Quand je dis devant, ça veut dire qu'au Simba portail Nayo. Ce sont vos militaires, les militaires congolais, les policiers, intoxiqués par vous, sont allés vers eux. Babandi Kangabango. Et vous criez vite, hein, parce que vous avez des choses à vous reprocher. Moi, je demande même à l'ANER, à mon vieux Izung, à mon aîné Christian Dawel de la Demia, d'aller fouiller cette maison. Ce n'est pas normal que vous venez salir la réputation du chef de l'État, du régime qui vous protège, Madame Olive Lembe. Vous avez volé des millions de dollars dans ce pays. Tous les biens que vous avez, et Zakakana salaire, Kingakati, Zakakana salaire, toutes les maisons que tu as, les immeubles, en 18 ans, sur le bataille, Yomoko Mama Olive, Eagle, pas preuve Zali, un bon mot détournant, un peu de respect et de modestie quand même, Mama Olive. Je dois chercher mes mots parce que je suis face à une dame, mais en tant qu'attitude, on doit agir le coup là, un homme politique avec grand H. Donc on doit te répondre. Et laissez-moi vous dire, Maman Olive Lembe, Ndakouan les Ali Abalito, vous n'avez pas payé cette famille. Les Lito pleurent. Moi, je suis de la famille Lito. Par alliance, mes enfants, Pichou Lito qui est décédé, était le mari de ma soeur, Babotibana Misatunaina Kisombe. La famille Lito vous réclame son argent. Imaginez la mauvaise foi. Mais à part ça, Monsieur Joseph Kabila, de père, Mouzé Laurent Désiré Kabila, peut se comparer vraiment à Étienne Tshisekedi ou à Moulumba. Un homme qui a construit sa vie dignitaire de ce pays, qui a accepté de se séparer des avantages de Mobutu, parce qu'il a compris que le régime devenait dictatorial. Il n'a pas accepté ce que lui avait conçu faire avec son ami. Pendant 37 ans, il s'est battu ici à l'interne. Tu as vu comment les Tshisekedi ont grandi? Yolo balelo que Kabila pesi bango opportunité balata ba veste. Mais Maman Olive, c'est tout à fait le contraire. Quand on voit Joseph Kabila, il n'y a pas toi hiver, il n'y a pas toi été. Et l'amba a été, il y a hiver, il y a été. Oui, il y a une bonne manière, na kimukolo kou tezo simbate. Hé maman, bino boye baki des manières de se tenir à table. Vraiment, les lieux comme une famille en mode Tshisekedi, Olambouki, Maman Olive, on aurait appris que Moromano Teka, Soki Babilo Konamoutou, ce n'est pas un péché. Mais yo surtout qui n'a pas de péché, n'a 18 ans où il y a rien, Maman Olive. Et un peu le respect quand même. Moi, je suis ahuri, je suis écœuré de constater que Mozan a respect à la famille Tshisekedi. Cette famille bien réputée de bonne éducation, ça fait mal au cœur. Maman Olive, si on doit qualifier des couillacouilles à qui ont l'opportunité, on l'a ta veste, c'est toi et ton mari. C'est bien les Kabila. C'est dommage. Mais vraiment, à cette allure, je pense que le président Félix Antoine Tshisekedi est trop bon. Il est trop bon. Moi, Totoumani Kisombe, vous avez vite payé notre maison sous la vue des ambassadeurs. Bien que vous nous les avez payés na, à compte-goutte, alors que vous avez un million de dollars. 2 500 000 dollars, Bofutabi Sosoki en 13 morceaux. Maman Olive Lembe Kabila. Voilà, je crois que on a une réaction. Il y a bato toujours va s'adresser à Maman Olive Lembe Kabila par rapport à Makambango Ndenge et Zaleli. Nous pensons que Zaleli est vraiment très très important. En tout cas, pour la Kolandela, Makambo yo au de près. Marie Olive Lembe Kabila, il a dit des choses vraiment qui nous fait réfléchir deux fois. Tout l'andaye, pour tout conclure l'émission, Mokoloya Lelo. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle et puis avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire
de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'à aujourd'hui ici au Congo. Je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuel. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui, selon, entre guillemets, les informations reçues, était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché? Vous êtes content? J'en profite pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup de gens qui espèrent en lui, je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper. Parce que il a mal fait de rendre certains importants. Il a mal fait peut-être de valoriser certaines personnes qui, de leur vie, ne pouvaient jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrariée et choquée de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. La deuxième fois qu'on vient attaquer, je suis là pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement. Personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Nous sommes tous locataires. Mais en attendant, ces gens, les cadiotistes qui sont envoyés ici chez moi, ne réussiront pas à nous éliminer parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur le souffle de vie. Ensemble avec leurs commanditaires. Seigneur, occupez-vous de tous. Parce que moi, je crois et j'ai la foi que la justice divine va faire son travail. Voilà. Merci. Voilà. Voilà, maman, maman. Donc, vous comprendrez que je suis en deuxième émission. Je suis en veste. Il faut que tu aies un détail. Tu ne peux pas se lever un bon matin. Comment tu as rencontré? D'ailleurs, les communiqués que je parlais à MLC, je vais vous les montrer. Réaction à MLC par rapport à Yango.
Merci de partager les liens à tous les YouTube. Vous abonnez massivement. Ceux qui vous en abonnez, n'attendez pas. Vous allez aller pour programmer, monsieur, reprogrammer. Mettez les bâtons sous les solos. Il y a Mboka. Je reviens à la numéro Moussous. A tout à l'heure. Merci. Bye. RDC est une et indivisible. Et la population électorale, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.